Le mouvement que vous avez entendu des congas est un mouvement plutôt actuel et on va dire libre. Mais en fait, il nous vient d'un pattern plus ancien qui était utilisé dans les années 70 à l'époque du groupe La Perfecta. Dans ce groupe, il y avait Daddy Pulval, donc conguero du groupe, sous la direction de Daniel Marie Alphonsine. De ce pattern, on peut distinguer quatre variantes. Vous aurez très vite compris les influences latines qui nous ont amené à ça. Car effectivement, vous pouvez retrouver la marcha avec la main gauche. Merci Boris. Et d'ailleurs, je tiens à remercier particulièrement Daniel Dantin et Michael Lordelot qui m'ont transmis ces informations.